La direction régionale des finances publiques met les petits plats dans les grands pour le coup d'envoi de la campagne de déclaration des revenus de 2018. La nouveauté, c'est l'obligation de faire sa déclaration en ligne, sauf pour les foyers non connectés et le contribuable qui ne s'estime pas être en mesure de télédéclarer. Dans ces cas, le papier est encore accepté. L'an dernier, 6 usagers sur 10 ont utilisé Internet. Le but final de l'administration fiscale, c'est la dématérialisation complète pour tous. Le dépôt de la déclaration et de la télédéclaration, c'est mieux, reste une obligation puisque effectivement l'ensemble des contribuables français se doivent cette année et comme toujours de déposer leur déclaration de revenus pour notamment aussi cette année, pouvoir bénéficier du crédit d'impôt modernisation recouvrement et pouvoir déclarer aussi les réductions d'impôts et crédits d'impôt afférents à l'année 2018. Sur un marché marseillais, nous avons fait un mini-sondage express. Apparemment, certains sont encore réticents pour déclarer leurs impôts sur Internet. Je fais ma petite feuille d'impôt, je vais à mon guichet, je fais la queue et voilà, en avant. À l'ancienne. Bon, il faut que j'allume l'ordinateur et tout. Voilà. Je préfère sur le papier, c'est plus vite fait pour moi. Je la fais sur Internet. Parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus pratique, ça va plus vite, on n'a pas besoin de se déplacer. La date limite pour les déclarations des revenus 2018 par Internet, c'est le 21 mai. Pour ceux qui habitent dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le 4 juin pour les Varois et les Vauclusiens. En revanche, c'est le 16 mai pour ceux qui ont choisi le papier.